j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait très très beau. Du coup, j'ai choisi ce joli coin pour vous faire la présentation de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes à base de feuilles de brique. Ça sera un nem viande hachée et une aumônière chèvre miel. Croyez-moi, c'est très facile à faire, mais c'est excellent au niveau goût. Si tout ça vous intéresse, suivez-moi en cuisine. Donc, pour ma première recette, ça sera des nems avec de la viande hachée et du fromage. Donc, on aura besoin de viande hachée. Donc là, j'ai coupé quelques petits poivrons avec ma viande. L'oignon, je l'ai coupé en tout petits morceaux. Ici, j'ai un tout petit peu de farine avec de l'eau. C'est juste pour fermer en fait les feuilles de brique. J'ai du fromage râpé, sel, poivre, de l'huile. C'est de l'huile normale, l'huile de cuisson. Et j'ai des feuilles de brique. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc, dans une poêle, sur un feu moyen, je mets de l'huile. Et je viens mettre mon oignon. Je rajoute du sel. Donc là, je vais ajouter ma viande hachée avec mes petits poivrons coupés en petits morceaux. Et je viens mélanger le tout. Et du poivre. J'ai pas besoin de trop cuire la viande puisque je vais la remettre dans le four. Comme ça, il ne va pas trop sécher. Donc là, j'arrête le feu. Donc je vais récupérer que la viande. S'il y a un petit peu de liquide, ben, il ne faut pas le prendre parce que ça va juste mouiller la feuille et ça ne va pas aller. Donc j'enlève l'excédent du liquide. On se retrouve juste après. Je laisse ma viande hachée refroidir un petit peu et je viens m'occuper de la feuille de brique. Avant, ben, je vais passer un petit coup de pinceau d'huile pour un petit peu la ramollir déjà, pour qu'elle soit plus facile à travailler. Et en même temps, quand on va les mettre dans le four, ben, avec l'huile, ça va aider à ce que la feuille soit bien dorée. Donc pour la feuille, moi je vais la couper en deux. Si vous voulez des grands cigares, vous laissez toute une feuille, mais ça fait vraiment très grand. Du coup, moi je vais couper ma feuille en deux. Et là, je vais mettre ma viande hachée. Et je viens mettre mon fromage. Alors je vais essayer de plier le côté, l'autre côté aussi, et je viens tourner le tout en essayant de respecter la forme. Et là, vers le bout, je viens mettre dans la farine que j'avais mélangée avec de l'eau. Et pour que ça fasse plus joli, je peux même couper les excédents.
Et voilà, notre premier cigare. Je passe au deuxième. Donc voilà, nos cigares, ils sont prêts à être enfournés. J'ai déjà allumé le four à presque 200 degrés pour que ça chauffe bien. Je vais laisser mes cigares de côté. Je passe à la deuxième recette à base de feuilles de brique aussi. Et on se retrouve juste après pour les ingrédients. Donc pour ma deuxième recette, ça sera une aumônière à base de chèvre miel. Donc bien sûr, j'aurai besoin de fromage de chèvre, du miel, un petit peu d'huile, c'est de l'huile normale de cuisson. J'ai des feuilles de brique et j'ai des petits pics au cure-dent pour fermer nos aumônières. Vous pouvez utiliser une ficelle, bien sûr. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc, je vais commencer par mes feuilles de brique. Je viens mettre de l'huile. Comme j'avais déjà dit, ça aide à détendre la feuille, qu'elle soit beaucoup plus souple à travailler. Et en même temps, quand on va le mettre dans le four, ça va aider à bien dorer la feuille et devenir bien croustillante. Donc là, je vais venir couper les morceaux de chèvre. Comme j'avais dit, bien sûr, chacun a la quantité qu'il veut mettre. Il y en a ceux qui vous aiment plus que d'autres. Moi, j'aime beaucoup le fromage de chèvre. Et je vais mettre mon miel. Là, bien sûr que vous pouvez ajouter des cacahuètes, des graines de sésame, donc comme vous voulez. Donc là, moi, je vous laisse comme ça. Et je prends les quatre coins. Voilà, comme ça, et on vient piquer. Bien sûr qu'on peut utiliser une ficelle, ça marche aussi. Donc voilà. Donc mon four est bien chaud, je vais tout enfourner. Une fois ma feuille de brique est bien dorée, je sors le tout et je vais vous montrer le résultat final. Et voilà, nos aumônières chèvre miel et nos nems viande hachée fromage sont prêts. Ils sont bien croustillants. Je vais enlever mes pics. Et pour l'autre aumônière, je vais couper la ficelle. J'espère vraiment que vous avez aimé la recette. Regardez-moi quand c'est bien caramélisé au-dessous. Franchement, ça donne envie. Je vais commencer par mes lames et je finirai par mes saumonières. J'espère vraiment que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, plein de petits pouces. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés avant tout le monde. Moi, je vous dis à la prochaine recette.
Coucou Milolou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait beau, du coup j'ai choisi cet endroit, ce magnifique endroit pour faire ma présentation.